c'est Mehdi, j'espère que vous allez bien et que vous passez des bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances ou du moins que vous passez eh bien une bonne période estivale. Alors j'étais extrêmement étonnée de voir le bond en avant au niveau des abonnés et le nombre de vues de ma dernière vidéo. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors j'aimerais dire quelques mots d'abord de bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Merci d'avoir rejoint ma chaîne. Donc je voudrais vous présenter un petit peu cette chaîne que vous découvrez. Alors d'abord, sachez que moi, je ne dis pas que je suis médium. Je dis plutôt, en fait, que je suis cartomancienne, mais bon, pour des raisons d'algorithme, j'ai intitulé ma chaîne Mehdi Voyance, voilà. C'est plus facile que Mehdi Cartomancienne. Sachez aussi que je ne fais aucun rituel, que je ne recommande aucune sorte de magie ou quoi que ce soit, que je n'entends pas de voix, que je n'ai pas de guide, que je ne communique pas avec les défunts. Et quand je fais des voyances sur des gens qui sont partis de l'autre côté, eh bien, oui, j'ai l'habitude de dire que je me connecte, mais c'est une façon de parler. Parce qu'il faut bien quand même que j'exprime ce que je suis en train de faire et que c'est la façon la plus facile pour moi de dire, bah, je pense, en fait, à la personne qui est partie de l'autre côté, donc je connecte mon esprit. Voilà. Et mon intuition, puisque je n'utilise que mon intuition ou l'esprit saint, comme j'ai envie de le dire, puisque je ne cache pas que je suis pratiquante catholique, chrétienne, que je vais à l'église, que je vais en confession et que je prends l'hostie. Voilà. Donc c'est clair et net. Donc si cela ben, ne vous convient pas, eh bien ne restez pas sur ma chaîne. Hein, je vous le dis en toute gentillesse. Sachez aussi que, évidemment, la voyance ou la cartomancie, ce n'est pas quelque chose qui donne des résultats à 100%. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça dépend beaucoup de l'esprit, de l'état d'esprit de la personne. Donc, il faut que je sois dans une bonne humeur déjà. Bon, ça va. Que je sois bien reposée, que je sois en forme, que je sois donc pas malade. Parce que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est des questions de concentration exclusivement. Et donc, en fait, d'intuition. Et l'intuition, on essaie. On essaie de l'étendre. J'étends mes antennes. Je capte des informations. Puisque tous et toutes en tant qu'être humain, eh bien, on véhicule constamment des informations. Vous émettez quelque chose. Vous émettez des pensées. Donc, vous émettez des impulsions électriques par le biais de votre cerveau. Donc, en fait, on peut capter des informations. C'est pour ça que quelquefois, eh bien, on n'a pas trop envie d'aller vers une personne parce qu'on sent que cette personne n'est pas forcément très amicale. Puisque vous sentez, vous captez les intentions à votre égard. Bon, j'essaie de vous expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que j'en ai un peu marre à chaque fois qu'on me traite de tout ce qu'on veut, de cultiste ou de quoi que ce soit. Non, non, c'est de la cartomancie. C'est normalement de la catégorie divertissement, j'insiste. Donc, je ne fais rien de mal. Je suis en paix avec moi. J'ai demandé la permission là-haut, voilà. Et j'ai toujours dit que si ça ne plaisait pas à Jésus ou à Marie, eh bien, qu'il me fasse savoir d'une façon ou d'une autre. Bon. Et sachez également que je n'irai jamais contre les prophéties, puisque moi je crois en prophétie, dans les prophéties, pardon, je crois dans les prophéties, c'est-à-dire l'Apocalypse de Saint Jean, le songe de Daniel, tous les recueils qui sont dans la Bible, puisque c'est ce que je vois aussi en astrologie, qui est une autre méthode, un autre support pour essayer de voir un peu ce qui va arriver. Mais là aussi, il peut y avoir des ratés, quoique généralement j'ai quand même des bons retours. Bon, voilà pour la présentation. Donc, s'il vous plaît, pas de commentaires haineux ou désagréables. Moi, je n'ai pas de patience, autant vous le dire. Donc, dans ces cas-là, je vire. Et puis, je lis pas jusqu'au bout. Donc, ne perdez pas votre temps et ne me faites pas perdre le mien. Vous pouvez mettre des critiques constructives, j'insiste, et non pas, vous ne savez pas interpréter, ou alors, moi, j'aurais compris ça comme ça. Le maître du jeu, c'est la personne qui tire les cartes. Ce n'est pas vous. Après, vous pouvez avoir un ressenti, et évidemment, vous pouvez me le communiquer gentiment. Mais s'il vous plaît, n'allez pas me dire, ah ben non, c'est pas ça, c'est ça. Non. Ou alors faites votre chaîne, quoi. Bon, voilà. Donc, petit préambule, enfin petit un peu long, je suis désolée, il faut préciser certaines choses. Autre chose que je voulais vous dire, attendez, ça va me revenir. Ah oui, alors tous les gens qui critiquent la Bible, ah ben faites vos recherches, parce que la Bible a été authentifiée. C'est le langage de Dieu. Donc, encore une fois, là aussi, les gens qui critiquent Jésus, Marie, la Bible, les prophéties, etc., je m'embarrasse pas, je vire. Il y a suffisamment de témoignages. On a aussi tous les miracles des saints, des saintes, etc. Les prophéties qui se sont réalisées, toutes se sont réalisées pour votre information. Et non, il n'est pas possible de changer la Bible. Ce n'est pas possible.
Voilà. Bon, donc allez arrêter de m'enquiquiner avec ça, ça m'énerve. Et donc, faites vos recherches. Et puis, si vous n'y croyez pas, bah, c'est votre droit. Mais ne venez pas critiquer parce que moi, j'y crois. Bien, alors, les gens qui me demandent un petit peu quelle carte j'utilise, bah, c'est mon oracle. Je l'ai appelé l'oracle Madi, voilà, parce que Madi, c'est mon prénom. Diminutif de Madeleine, hein. Donc, l'oracle Madi. Voilà, donc je rajoute toujours des cartes parce que j'ai toujours des petites idées qui me viennent. Sachez que ces oracles, moi, je les fais imprimer en Allemagne, hein, parce que je trouve que les cartes, elles ont des bonnes qualités. Bon, maintenant, elles sont un peu utilisées, évidemment. Voyez, donc, évidemment, elles sont plus neuves. Mais sachez qu'elles sont vraiment super. Elles glissent très bien sans trop glisser. Et puis, elles tiennent bien dans les mains. Voilà. Bon. Alors, on va faire la revue des prévisions que j'avais faites pour juillet. Alors, évidemment, comme je ne me souvenais pas, et peut-être que vous non plus, je fais toujours des petites coupures. Et puis, on regarde un petit peu si c'était sorti. Alors, ça demande un travail de recherche. Donc, ben, on y va tout de suite. Et puis, évidemment, après, on fera les prévisions pour le mois d'août. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Donc, normalement, j'avais parlé de l'argent, que c'était une catastrophe. Et j'avais même évoqué recette. Alors, on va regarder un petit peu ce que j'avais dit. On peut nous dire sur l'argent. Illumination des consciences. Bon, il y a des choses qui vont être découvertes au niveau de l'argent, très certainement. Ça brûle. Oui, bon, d'accord. Bon, bah oui, catastrophe au niveau financier avec certainement reset. Donc, nécessité de mettre en place des choses nouvelles pour se sortir de cette galère. Bon, alors j'ai coupé un petit peu parce que c'était pas la peine d'aller plus loin. Alors, il n'y a pas encore tout à fait de reset, mais il y a une information intéressante qui est arrivée effectivement. Alors, vous voyez, là, c'était le 3 juillet. Donc, le e-wallet. Alors, un wallet, c'est un portefeuille. Donc, ils sont en train effectivement d'annoncer la couleur et c'est bien été annoncé en juillet. Alors, ce n'est pas encore là opérationnel, mais c'est en train de se faire. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un portefeuille électronique ou numérique européen. Voilà. Donc, avec effectivement vos données personnelles. Hein. Regardez. Alors, documents d'identité, diplômes et dossiers médicaux. Tiens, on les voit venir de loin quand même. Hein. Cela facilitera l'authentification en ligne. Et évidemment, je ne sais pas s'ils le mettent là, mais il y a normalement le compte bancaire qui sera également relié. Les informations contenues dans l'e-wallet peuvent être utilisées pour une variété de transactions, que ce soit pour accéder à des services publics, privés, en ligne, hors ligne. Et cela peut comprendre l'ouverture de comptes bancaires. Vous les voyez arriver là? Bon. Alors, en fait, ce que j'avais dit, moi, les histoires de reset avec la catastrophe financière, je pense que je suis un petit peu en avance. Mais que déjà là, ils annoncent la couleur en juillet. Hein, parce que moi, je vous ai dit, hein, quand est-ce que je voyais le crash arriver. Et donc, je dirais que au niveau du fait que ça brûle, alors ça, c'est certainement une information qui est en relation avec la situation financière, pas que de la France, d'ailleurs de l'Europe. Et pour le reste, bon, bah, les questions de tutelle, c'est pas encore maintenant. Les questions de disparition de cash, non, c'est pas maintenant. Par contre, il y a la Cour des comptes, oui, qui effectivement est en train de regarder un peu les dépenses somptuaires, pardon, de qui vous savez. Bon. Alors, la deuxième chose. Alors, la deuxième chose, c'était pas aussi facile que ça. Parce que. Ben, je vais vous laisser écouter, vous allez voir. Non, il y a quelqu'un qu'on enterre là. Bon, ok. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a le départ, la séparation d'une personne connue. C'est peut-être pas à mettre en relation avec le scandale des enfants. Là, c'est peut-être deux informations différentes. Alors, je me suis interrompue moi-même, mais c'est pas grave. Alors, j'avais sorti, en fait, il y avait le procès, donc c'est les cartes d'en dessous, hein, la colère, les enfants en danger, quelqu'un de connu que l'on enterre, et aussi les questions de séparation ou de provocation. Bon, bah, alors j'ai du mal à retrouver. Mais en fait, c'est le scandale avec l'abbé Pierre. Je vais vous montrer ça. C'est pour ça que vous aviez quelqu'un qu'on enterre. Je n'avais pas fait la.
la relation entre les deux, mais c'est bien quelqu'un qui est décédé. Alors, pourquoi enfant en danger? En fait, moi, je trouve que sur la carte, c'est plutôt une jeune fille hein, qu'une enfant. Et effectivement, il s'agissait ici de jeunes femmes. Bon, vous avez dû entendre parler le scandale avec l'abbé Pierre qui aurait, alors je parle au conditionnel parce qu'il est mort, le pauvre, donc il ne peut pas se défendre, hein, on n'a pas sa version des faits, qui aurait, voilà, agressé SEX des jeunes femmes, sept femmes, et il y en a une qui serait mineure. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'avais procès, donc on lui fait un procès par rapport à quelqu'un qui a été enterré, qui est connu. Vous avez la carte de la personne connue. Alors on casse, on essaie de séparer, on essaie aussi de casser l'image, de séparer l'image de concernant l'abbé Pierre, image d'homme bon. Qui était voilà qui se dévouait au peuple etc. Donc on essaie de casser cette image-là et le reste enfant en danger avec les histoires de colère voilà donc ça vous voyez quand c'était quand même compliqué à trouver je dois dire et j'avais juste j'étais sur la piste plus ou moins on va dire alors ensuite ensuite eh bien il y avait les questions de politique alors c'était encore au moment où on n'avait pas encore les résultats des élections voilà je suis arrivée les résultats des élections législatives. Alors bon, je suis revenue déjà sur cet épisode-là, hein, bon, puisque moi je voyais quand même le Front National avoir la majorité. Alors bon, évidemment, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé parce que en nombre de voix, ils ont eu la majorité, mais en nombre de députés, ça n'a pas été le cas. Donc c'était évidemment compliqué. Par contre, il y avait quand même quelque chose qui était sorti. Alors je vais vous laisser écouter. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah bah d'accord. Le communisme. Alors c'est curieux parce que ça fait penser au front de gauche quand même, hein. Donc il va y avoir aussi un gouvernement dans lequel il y aura des gens de gauche, très certainement. Hein, vous avez la, voilà. Vous avez quand même l'emblème ici. Donc ça va être une espèce de cohabitation. Ah ben ça va être sympa. Hein. Oh là 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 là. Pouh. Voilà. Donc, pardon pour les petites onomatopées, mais oui, effectivement, c'est la grosse galère parce que, alors, d'après ce que j'ai compris, alors moi, j'ai pas tout suivi, maintenant j'ai dû faire des recherches. Ils ont, alors, le front de gauche, effectivement, bon, bah, vous avez vu le marteau, la faucille, donc oui, ça c'était bien le front de gauche. Donc, si j'ai bien compris, le nouveau front populaire a proposé cette dame, Lucie Castet, en tant que alors que première ministre, hein. Sauf qu'elle n'a pas encore été, on va dire, adoubée, voilà, par notre cher président. Bon, mais au vu de tout le comment dire, de tout le battage politique à ce sujet, je pense qu'il devrait effectivement y avoir quelqu'un du Front populaire, alors peut-être pas premier ministre, mais en tout cas, oui, au gouvernement, c'est sûr. Ouais. Ça, il y en aura. Donc, on va dire que c'était une prévision faite un peu à l'avance. Alors, après, j'avais la carte des carottes qui était ressortie. Alors, pour moi, les carottes, c'est les agriculteurs. Donc, voilà ce que j'avais dit. C'est comme si, en fait, il devait aller ailleurs, ou en tout cas... Attendez, il faut que j'approfondisse, c'est quelque chose d'important, là. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose concernant les agriculteurs, un départ, des gens qui s'en vont, qui sont dans une situation difficile, qui essaient de se battre pour... Essayer d'établir des relations. Bon, c'est les agriculteurs qui se battent pour leurs droits, ça. Moi, j'ai l'impression, moi. Alors, c'était là aussi assez difficile. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Voilà. Alors, évidemment, ça, c'est encore quelque chose dont on ne nous parle pas comme d'habitude. Mais c'est pourtant extrêmement important. Et je sentais, en prenant ces cartes, qu'il y avait quand même quelque chose, une information très importante. Alors, je vais vous dire de quoi il s'agit. C'est les fameuses mobilisations, pardon, anti-bassines. Voilà. Et c'est bien, vous voyez, en relation avec l'agriculture. Hein, je vous ai entouré les mots là pour que vous puissiez mettre en perspective ce que je vous ai dit avec l'agriculture et le fait qu'effectivement il y avait, voyez, il s'agit de nous allier. Il y avait une espèce de bataille. Pour ça, je voyais le pont. C'est vraiment
Alors là, c'est le discours, ça c'est le discours, on va dire, politique, mais par contre, il y a bien eu une espèce de, vous voyez, mobilisation. Pour ça, je dis, ils essaient de se relier, et c'est bien en relation avec l'agriculture. Alors de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit de l'eau, toujours cette eau, qui est en fait collectée, transférée des nappes phréatiques, pompée des nappes phréatiques, et en fait, c'est, donc je ne sais pas combien de litres il y a là-dedans. Mais cette eau-là, eh bien, au lieu de servir à l'agriculture française, pardon, j'ai oublié mes mots, au lieu de servir à l'agriculture française, eh bien, elle est vendue à des agriculteurs comme, enfin, des autres agriculteurs, voilà quoi, qui sont pas français. Voilà, j'étais en train de relire. Parce que c'est un texte qui est très important quand même. C'est bien, cette eau-là, elle est bien pour des non-agriculteurs. Donc c'est en fait c'est bien pour tout ce qui est industrie agroalimentaire. Vous voyez? C'est voilà, le maïs hybride, l'élevage hors sol, les monocultures, etc. Enfin bref. Bon, moi j'y connais pas grand-chose là-dedans. Mais par exemple, je sais qu'il y avait Nestlé, bon, qui effectivement avait besoin de cette eau-là pour faire ses yaourts, enfin entre autres. Après, j'en sais pas plus. Voyez? Donc, il y a vraiment une bataille pour l'eau et aussi une bataille qui est importante parce que cette eau, elle est normalement réservée, elle devrait être réservée à l'agriculture française. Voilà. Et donc, ils sont en train de faire mourir les petites exploitations agriculture française, d'agriculture française, pardon. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre sans cette eau. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose de très important. Et évidemment, on ne nous le dit pas. Voyons, qu'est-ce que j'avais dit donc pour les JO? Voyons voir. Alors, je vais vous mettre l'extrait. Sachez qu'en tout cas, j'ai eu des problèmes, notamment au niveau de la très mauvaise ambiance. Bon, ben, pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé. Et j'avais parlé aussi des attaques sur les familles. Alors, à mon avis, ça, c'est une autre information qui est venue se greffer parce qu'il y a eu des attaques au couteau. Ah, ça, c'était en Angleterre. Je pense que c'est une autre information qui est arrivée au même moment, quoi. Mais je laisse écouter ce que j'ai dit. Donc, on va dire que ces JO vont commencer dans une très mauvaise ambiance. Comme ça, je vous apprends rien. Ouais. Bon, il va y avoir des coups fourrés, hein. Il va y avoir de la violence, la méchanceté, le couteau, famille, attention, ça peut être les attaques sur les familles. Ça va commencer dans une ambiance vraiment, vraiment de violence. Oui, absolument, avec des attaques. Alors, de l'argent en ruine. Ah, il va y avoir un problème financier, hein, au cours des JO, hein. Il y a un manque d'argent, hein. Alors, par rapport à quoi? Ben, peut-être que les constructions, là, ça va s'écrouler, enfin, parce qu'il n'y a pas eu assez d'investissement ou. C'est pas assez solide, il n'y a pas eu effectivement d'argent qui a été assez investi dans les constructions, il y a quelque chose qui s'écroule quand même. Oui. Bon, bah, ça, en fait, je n'ai même pas besoin de chercher les constructions qui s'écroulent. Non, c'est même pas ça. C'est le fait que, d'abord, il y avait un manque de touristes au niveau, effectivement, des locations dans les hôtels, tout simplement. Donc, il y a de ça, hein. Ils sont tous en train de se plaindre qu'ils ne font pas leur chiffre d'affaires. C'est pour ça que vous avez la carte ici, des affaires. Ça, c'est les transactions. C'est une ruine. Ils perdent, en plus, non seulement ils n'ont pas assez de touristes, mais en plus, ils perdent encore des touristes à cause de cette histoire de grille, faut pas l'oublier. Et ensuite, il y a un sponsor, alors je sais plus lequel. Il y a un sponsor qui, après le scandale des JO, eh bien, a dit qu'il se retirait, qu'il refusait de continuer à financer les JO. Bon, voilà, je parle même pas des questions de nourriture qui sont pas suffisantes. Enfin, il n'y a pas de quantité de nourriture suffisante pour les sportifs. Je parle pas de leur lit en carton. Enfin bref, c'est évident que ça a été vraiment. Ils ont essayé de tout mettre sur leur foutue cérémonie là, et ils n'ont pas du tout pris soin des sportifs, donc ils n'ont pas de lit correct. Les lits en carton, c'est pas des lits, et ils n'ont pas assez de nourriture. Hein. Voilà, donc des JO catastrophiques et en plus, il n'y a pas de toilettes. Ah oui, tiens, j'ai oublié ça. Donc la totale. Bon, voilà. Donc c'était petite revue, je fais tout le temps. Hein. Et puis, on va passer au mois d'août. Alors sachez quand même qu'il y a des gros, gros problèmes actuellement entre Israël et le Liban, enfin, surtout avec le Hezbollah.
que ça brûle vraiment et que ça risque d'escalader. On va voir si ça sort. Je vous retrouve tout de suite pour les prévisions sur le mois d'août. Alors, je vais prendre le France Actu. Voilà, je suis en train de mélanger. Alors, des cartes qui sont retournées. Immédiat. Complot. Tiens. Bon, ça s'est retourné. Ok. Attendez, je remets bien comme il faut. Voilà. Donc, j'ai mélangé les cartes. Et on y va tout de suite. Alors, est-ce qu'on va avoir des changements politiques? Enfin, quoique en août, normalement, c'est les vacances. Mais enfin, bon. Ok, alors sur la France, parce qu'après on regardera évidemment aux États-Unis si Kamala va vraiment être acceptée par le clan démocrate. Bon, enfin moi je voyais une femme, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais enfin on va regarder. Alors pour la France, au niveau politique, bon ben ça commence bien, j'ai là, alors c'est un crash boursier, mais on va dire la baisse de la bourse, et là qu'est-ce qu'on a? Conseil constitutionnel, bon c'est que la coupe, hein. Oui, il y a du soleil aujourd'hui, on va pas se plaindre, hein. Demain il va pleuvoir, donc bon. L'été va être vite fini. Alors, en France, est-ce qu'on va avoir des changements dans la politique, on va dire des événements? Sachant que Manu s'éclate bien avec des, on va dire, des messieurs. Mais bon. Alors, on a popularité. Ok. Ah, bah tiens. Alors, pédalocriminalité. Hein, je suis obligée de dire ça comme ça. Ok. Toujours ses enfants. Ici, on a confiance et là, on a un homme politique. Bon, alors, évidemment, on va recouvrir. Hein. Alors, popularité, c'est sondage aussi. C'est qu'est-ce qu'on a sur les enfants? La confiance et là, un homme politique. Sondage, un ministre. Tiens, on va remettre une carte tout de suite dessus. Un ministre. Et là, on a le peuple. Tiens, attendez, on va pousser un peu ça. Alors, un ministre, le peuple, la popularité, les sondages. On va continuer, on va finir plutôt l'histoire. Et là, on a dissolution. Bon, alors, il est possible qu'on nous annonce le départ d'un ministre, par exemple. Hein? Bon, on va dire un ministre qui s'en va, faute de popularité. Et un autre qui arrive, par exemple. D'accord? Bon. Oh, c'est une petite info, on va voir. Hein. Sur les enfants, on a une femme politique. Bon, alors c'est pas forcément le gouvernement. Hein. Une femme politique, c'est en général. Et là, on a fraude. Ok. Et par rapport aux enfants, impôts. Bon, j'ai autre chose là. Bon, alors j'ai les impôts, j'ai les fraudes. Bon, là, j'ai rien d'autre. Hein. J'ai une femme qui devrait parler normalement des enfants. De la pédalocriminalité. J'ai rien d'autre non plus. Ici, qu'est-ce qu'on a? Motion de censure, confiance. Ah, il peut y avoir quand même des changements. Hein. Pour faire accepter, par exemple, un ou une nouvelle première ministre. Je sais pas, il y a un truc là. Pour éviter justement les futures motions de censure. Ouais, il pourrait y avoir un nom. Et là, on a la sursang. Alors, sursang pour les nouveaux venus, c'est dans l'autre sens, hein, parce qu'il y a certains mots qu'il faut éviter de dire. Bon, je pense que vous devinerez lequel. Contrôle de l'information. Hein, on pourrait nous proposer une nouvelle personne en tant que première ou premier ministre. Mais il y a des histoires de contrôle d'information. Donc là aussi, tiens, tiens, contrôle d'information. Alors, c'est peut-être un autre thème que je suis en train de vous sortir. Bon, retenez. Un nouveau nom qui serait proposé, voilà, en tant que ministre ou première ministre. Et là, une femme qui parle, une femme politique qui parle de la pédalocriminalité. Et là, moi, j'ai de la sursang sur les histoires de ce que vous voyez à l'écran. Si vous regardez, si vous écoutez en podcast, c'est le Vivi. Voilà. Le Vivi. Et on a beaucoup de sursang. Vous savez, ici, on a les RKI. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. Ce sont des dossiers qui sont en train de sortir, enfin qui sont sortis et qui sont en train de faire vraiment le buzz, comme on dit, puisque ces dossiers qui viennent du Robert Koch Institute, eh bien, établissent que la crise du coco a été orchestrée politiquement, et qu'il n'y avait pas de danger. Mais simplement, ces dossiers, alors effectivement, il y a des gens qui en parlent, mais par contre, c'est beaucoup, beaucoup de mal
au niveau des médias mainstream. C'est pour ça que vous avez la sur 100. Possible que ce soit pareil en France. Hein. Bon. De toute façon, moi, je pense que la vérité qui éclatera, ben, je la vois pas éclater, quoi. Tout simplement. Hein. Puis les gens veulent pas croire, ne veulent pas comprendre, ne veulent pas accepter qu'ils se sont fait avoir. Donc, dans ces cas-là, les gens sont pas prêts à accepter la vérité. Alors, ici, on a dissimulation d'un homme politique. Décidément, il y a quand même des trucs. Hein. Bon, on va regarder ce qu'il nous dissimule, celui-là. Ah, par rapport à l'éducation nationale. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un gros problème, ce qui va arriver en septembre. Alors, je sais bien que c'est sur le mois d'août, mais enfin, bon, c'est pas si loin. Hein. Un homme politique, éducation nationale. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le programme pour les enfants? Sanctions. Bon, bah alors là, sanctions. J'avais jamais sorti cette carte-là encore. Conseil constitutionnel. Ouais, bon, alors on va dire sans trop s'avancer parce qu'il ne faut pas trop en sortir de trop. Qu'il y a un homme politique qui dissimule quelque chose. Alors, relation avec l'éducation nationale, pourquoi pas. Qui pourrait être sanctionné. Bon, c'est pas transcendant, ok. Moi, les deux informations les plus importantes, c'est qu'il pourrait y avoir un nom qui serait proposé en tant que Premier ministre ou bon, voilà. Je crois que c'est plutôt Premier ministre parce que les autres ministères, ça va pas bouger. Hein. Moi, je vous avais dit que voter ne servira à rien. Je me suis fait allumer dans les commentaires comme d'habitude. Mais non, ce n'est pas en votant que ça changera quelque chose puisque tout est verrouillé. Enfin, faut quand même regarder un peu la réalité, quoi. Bref. Donc, ça peut être plutôt au niveau du poste du première ministre, où là, il peut y avoir des changements avec un nom qui serait proposé. Bon, pour le reste, ça bouge pas beaucoup. OK. Alors, au niveau économique, ben, je ne veux pas vous faire... Enfin, si, je vais peut-être demander une carte quand même. Enfin, c'est vrai que j'avais marqué cette catégorie-là, mais enfin, que vous dire d'autre, hein, c'est la catastrophe. Ça va pas s'améliorer. On va quand même sortir. Alors, peut-être qu'il y aura des mesures, on va regarder. Au niveau économique, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là, je vais prendre mon petit oracle. Alors, économie en France. La voie de la raison. Séparation. Bon. Ben moi, j'ai envie de dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont établir leur commerce ailleurs. Et ce serait la voie de la raison. Hein. Puisque, attendez-vous à ce qu'ils augmentent les impôts. Hein. Ah bah oui. Vous savez, j'ai fait des études d'économie, alors bon, les finances, ça me connaît très bien aussi, donc il n'y a pas de secret. Hein. La France a une dette phénoménale, c'est 3200 milliards d'euros, donc soit ils augmentent les recettes, soit ils baissent les dépenses. Mais les dépenses, bah, elles les ont déjà baissées parce qu'il n'y a plus de budget pour les hôpitaux, les écoles, etc. Ils vont pas baisser leur rémunération, ne rêvez pas. Donc, il y a les recettes, bah, étant donné qu'il y a une désindustrialisation, comme je vous l'avais dit, hein, ça fait longtemps déjà, vous avez dit qu'il y aurait une désindustrialisation, et bien dans ces cas-là, ils vont pas avoir le choix. Ils vont devoir soit augmenter les impôts, soit prendre dans l'épargne, mais dans les deux cas, ça... les Français se font pigeonner. Bon, alors. Ah non, c'est pas la peine de pleurer, je veux dire, il faut regarder la réalité en face. Bien, alors l'économie, qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, regarde, ça sort tout de suite. Le crédit social. Bon, bah voilà. On y va, hein, on y va. Alors là, il peut y avoir une période de repos. Cette carte-là, je l'interprète soit comme le repos, soit comme le secret ou les affaires un peu privées. Mais là, j'ai quand même deux cartes qui me donnent une espèce d'accalmie. On va regarder. Oui, le crédit social est en préparation. Bon, donc il pourrait y avoir une période d'accalmie et puis hop, retour à la réalité. Oui. Ça peut être ça. Donc, ce serait, par exemple, après les vacances, hein, une vengeance. Bon, bah, l'autre, il va se venger. Je vous avais dit qu'il allait se venger. Hein. Ça ne m'étonnerait pas, c'est un psychopathe. Donc, le choix. Oui. Alors, le choix par rapport à un crédit social, mais un choix qui a déjà été fait, à mon avis. C'est plutôt comment est-ce qu'ils vont nous l'amener. Hein. Bon, alors, cette carte-là, elle n'est pas comme ça. Elle est dans ce sens-là. Une surestimation, oui. Et de la folie. Bon, c'est aussi quand on est ligoté. Hein. Vous voyez, la camisole de force. Bon, ça, c'est aussi pour nous... C'est aussi pour nous ligoter, oui. C'est l'enfermement. C'est l'aliénation, en fait. Hein. Aliénation. Vous êtes mis aussi à part. Bon, il y a les gestions de crédit social qui vont arriver. Voilà. Une vengeance de qui vous savez, je pense.
mais le peuple va réagir. Hein. Je vous ai dit, moi, alors pour évidemment les fidèles abonnés que je remercie, je vous ai toujours dit, je ne vois pas de révolution, mais je vois des très fortes contestations avec violence. C'est ça que je vois. Et on est parti pour des années de contestation avec de la violence, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment en colère, qui veulent vraiment dire qu'ils en ont marre de cette politique, de ces restrictions, etc. C'est ça que je vois. Mais il y a toujours une division dans la population. Donc vous n'aurez pas des millions de personnes qui sortiront en même temps. C'est le problème. Moi, c'est pas ce que je vois. La révolution, c'est... Non, je vous dis, il y a une partie de la population qui ne veut pas voir ou qui s'en fiche et qui continuera son train-train. Bon, une erreur qui va être faite, oui. Et la malchance, ouais, bon, d'accord. Ok, on va regarder ici. Accident. Ouais, c'est ça, en fait, les gens, ils vont tomber de haut. On peut voir ça aussi comme ça, hein. Parce que ça, il va y avoir des annonces, alors plus ou moins cachées, hein, vous avez vu comme pour le portefeuille numérique, hein, ça n'a pas été dit de façon franche et honnête. C'est une information qui est passée un peu en catimini et pourtant c'est l'information dont il faut être conscient. Puisque portefeuille numérique, on va y avoir droit aussi, hein, toute l'Europe, hein, faut pas rêver. Hein. Ils veulent nous mettre sous numérique parce que c'est la seule façon de contrôler la population. Bon, ok. Donc, vous voyez la carte qui sort. Je la sors quand même assez souvent en ce moment, le crédit social. Bon. Donc, au niveau économique, on va vers ça. Alors, au niveau de l'international. Non, des faits divers, pardon, excusez-moi. Faits divers, puis après, on ira regarder les JO aussi. Bon, les faits divers, oui. Bah, de toute façon, c'est pas très bon, les faits divers, mais enfin, on va regarder. Faudra que je vous fasse une petite vidéo sur l'INA, que je revienne un peu sur ce que j'avais dit, puisqu'il y a des avancées. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme fait divers? Je vais prendre le... comment il s'appelle ce jeu-là déjà? Ah, attendez. Le DCK, ouais, j'aime bien ce jeu-là. Attendez, bougez pas, je vais le prendre. Voilà, j'ai retrouvé mon DCK. Donc, on va demander au niveau des faits divers. Ah, j'ai des questions de famille, là. Quelque chose qui toucherait les familles. Est-ce qu'on va avoir un fait divers? Alors, important, hein, que ce soit les gens connus, hein, ou simplement quelque chose dans la population. Un fait divers. À moins qu'on ait des avancées sur, effectivement, des... Alors, on y va. Un fait divers important. Alors là, j'ai un accord, un contrat, quelque chose de numérique, en tout cas en relation avec les ordinateurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme fait divers sur le mois d'août en France? Une disparition, une perplexité, la peur. Bon, il y a des histoires encore de disparition. Vous avez vu, ça n'arrête pas, hein. Je vous ai pas fait des vidéos dessus, mais... Je trouve qu'il y a de plus en plus de disparitions. Alors évidemment, on peut toujours dire, ouais, mais c'est parce que c'est plus médiatisé. Ah, je sais pas, il y a quand même des choses bizarres. Les gens, ils partent sans rien dire, ils disparaissent. C'est très curieux. Bon, en tout cas, ici, j'ai passage à l'au-delà, donc disparition, qui n'est pas élucidée avec quelque chose qui serait négatif, qui se cacherait derrière cette disparition. Bon, il y a des gens qui vont essayer d'aider. Alors, disparition de qui, de quoi? Ah, et qui vont réussir. Bon, il y a... Ah, attendez, il y a quelque chose qui est élucidé, là. Est-ce que c'est une disparition passée? Un cadeau. Ah, il pourrait y avoir... Il pourrait y avoir des éclaircissements par rapport à une disparition passée ou un décès. Quelqu'un qui est décédé... Bah oui, qui est passé de l'autre côté, quoi. Parce que là, on cherche. On est perdu. Et là, il y a des gens qui apportent de l'aide. Il y a même une surprise et on réussit quelque chose. Alors, on va mettre une carte ici. Ça donne des détails sur cette fameuse disparition. Oui, des réseaux. De la tension. Alors, de qui il s'agit ici? De qu'est-ce qu'on nous parle? Une impasse. Bah, c'est très mystérieux. Attendez, je vais prendre mon jeu. Je sais pas, j'étais en train de penser à Lina, mais peut-être que c'est pas elle, hein. Parce que là, il y a quand même quelqu'un ici qui a peur, hein. Avec quelqu'un avec les yeux rouges dans l'armoire. Moi, je pense qu'on va avoir des informations sur un décès, voilà. Ou quelqu'un qui a disparu.
quelqu'un qui est décédé ou qui a disparu, mais sans retour, hein, parce que ça, on revient pas. Hein. Ça, on peut disparaître sans décéder. Hein. Non, mais j'entends déjà les critiques. Hein. Je réponds avant. Hein. Mais là, il y a une espèce d'élucidation au milieu, alors que là, à droite, eh bien, on a une impasse. Donc, ouais. Alors. Hop. Bon, on va regarder. Bon, la coupe ne m'inspire pas, donc on va prendre tout de suite une carte. De qui il s'agit ici? Un dégât. Une femme. Une femme qui court, qui a peur. Oui. Ok. Le feu. Bon, j'aurai rien d'autre, je crois. Quelqu'un. Ouais, mais ça peut être Lina. Hein. Quelqu'un qui est parti dans la forêt. Alors, pourquoi le feu? Pourquoi le feu? Mais j'ai quelqu'un qui a peur, qui court, là. Et il y a bien l'histoire de forêt. Parce que vous savez que Lina, elle était partie. Elle avait pris un raccourci, donc elle était à côté de la forêt. Hein. C'est pour ça que j'ai pensé à elle. Ouais, ça peut être elle, hein. Ah, il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des gens qui sont impliqués, il y a des gens qui savent. Oui. Alors le feu, vous savez, quand on dit feu quelqu'un, c'est souvent quand on parle de quelqu'un de décédé. Ouais, c'est une vieille expression, c'est à ça que ça me fait penser. Bon, moi, je pense que ça pourrait être Lina. Allez, en tout cas, quelqu'un qui a disparu, une femme, quelqu'un qui est parti en forêt. Bon. C'est ça que je verrai. On verra bien. Alors, rapidement, l'international. Vous savez qu'il faut regarder, parce qu'on a tous les yeux, sur les JO et le scandale. Je ne vais pas revenir dessus. Ça a été très bien décrypté par tout le monde. Et pour les gens qui critiquent encore en disant que non, ce n'était pas la scène. Si, c'était la scène, puisque ça a été confirmé par une drag queen qui s'appelle Piche, ou la Piche, je ne sais plus. Enfin, c'est un drôle de nom. Qui a dit effectivement qu'ils avaient bien eu l'intention de rejouer la scène. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des concombres. Oui, c'était bien ça. Et après, ils ont rétro-pédalé parce qu'ils sont des lâches qui n'ont même pas le courage de leurs actes, tout simplement. Donc, les gens qui me disent encore qu'on n'a rien compris, qu'on est un culte, allez voir ailleurs si j'y suis. C'était bien une offense. Ok. Bien. Alors, l'international. Oui, donc, j'étais en train de dire que ça brûle. Entre Israël et le Hezbollah. Puis il y a aussi l'Iran, hein, l'Iran-Israël, et avec le Liban qui est en train d'être bombardé en ce moment. C'est catastrophique ce qui se passe. Hein. C'est cantonné à quelques pays seulement. Hein. Le Liban, Israël, l'Iran. Alors, est-ce que ça peut encore escalader? Infortune des familles, oui, mais ça, de toute façon, oui. Bah oui, vous savez qu'il y a eu des enfants qui ont été tués quand même. Hein. D'où la riposte d'Israël. Hein. Je vous mettrai l'article si vous ne savez pas de quoi je parle. Ouais, la mort. Ah, bah la guerre. Ah, la grâce quand même et l'intelligence. Bon, alors là, c'est les deux parties en présence. Effectivement, avec le glaive, hein, donc on se bat, il y a des morts. Pourtant, on pourrait éviter le pire, parce que j'ai quand même la grâce et l'intelligence. Je pense qu'il pourrait y avoir des tentatives de calmer les choses, notamment pour préserver les familles. Il y a des gens qui vont, oui, qui vont être mal en point. D'accord, l'héritage, les paperasses. Bon, apparemment, il y a une accalmie. Alors, j'espère que je ne me plante pas, mais vraiment, enfin, les cartes, hein, ça devrait se calmer un petit peu quand même. Ok, on verra bien. Espérons que j'ai raison. Mais héritage, là, quand même des paperasseries. Donc, on essaie un peu de calmer le jeu par rapport à des rancœurs passées, par exemple. J'ai quand même la paix qui est sortie. Ok. Par contre, moi, je vous dis, c'est le mois d'octobre que je ne sens pas du tout, parce que j'ai des aspects astro vraiment mauvais. Bon, bon. Voilà.
Ok, alors je voulais demander pour Kamala, je vais vous faire un mini tirage parce que sinon la vidéo va être trop longue. Et puis je vais regarder aussi pour Lina, d'accord? Voilà, merci beaucoup encore d'être là. Et puis, bah, écoutez, on n'est pas très loin des 30 000, hein, donc on va continuer. Et si j'atteins 30 000, je vous ferai un live spécial pour vous remercier. À bientôt, au revoir.